J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Bonjour Pierre. Bonjour. Je connaissais à peu près rien, mais en fait je pense comme beaucoup de monde sur ce bureau qui est le bureau d'enquête accident, qui est enquête sur les boîtes noires, comment on les retrouve, comment on les ouvre, comment on les analyse et comment ça nous raconte quelque chose avant un crash, avant un accident. Dynamique, paranoïaque, thriller, épique, je trouve que c'est la marque de fabrique de Yann Gozlan. Et je suis content qu'on ait un cinéaste comme ça, hein, qui fait du thriller. Qui dit « je suis français, mais je vais vraiment faire du film d'enquête, du thriller, vous tenir en haleine, des fois du intime, très psychologique, très paranoïaque, et parfois du grand, du épique, des avions, des hangars, des multinationales, des enjeux internationaux. » Il y a eu un attentat, t'es le premier à l'avoir entendu. Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences. T'es en train de te monter la tête. La vérité sur le crash, moi je la connais. Vous êtes allé trop loin. Je crois qu'il y a un peu des deux. Ça peut un peu rassurer quand même de découvrir un peu tous les systèmes qu'il y a de protection derrière les avions et tout ça. Et en même temps, ça fait un peu de chocotte évidemment quand même sur se dire quelles sont les failles, qu'est-ce qui peut se passer, comment ça peut tourner au drame dans un avion. Et puis moi, la première fois que j'ai entendu des enregistrements de boîte noire, il y a quelque chose de glaçant quand même.